Je viens de faire 4 bricoles d'électricité dans le fourgon et en particulier reconnecter mon module son-off. Je galère vraiment à chaque fois que je dois remettre avec ces cages, le système de cage, on doit appuyer et en même temps insérer le fil. Tout en tenant le module, je peux vous assurer que c'est très compliqué, surtout dans un espace aussi restreint. Bref, je me suis pris la tête, j'avais déjà fait une première partie, là j'ai fait la deuxième partie, ça refonctionne. Maintenant, pour ce qui est de la connexion Wi-Fi, c'est toujours un peu hasardeux. C'est les produits Sonoff, visiblement. Après, on verra peut-être avec un modèle plus évolué plus tard, ça ira peut-être un peu mieux. En attendant, je me suis tourné aussi vers lui. Donc, ça, c'est un autre module de domotique. C'est le Shelly One. Et il marchait pas. Je l'ai remplacé. Mais bon, ça venait de tous les faux contacts que j'avais là sur ce que je vous ai montré juste avant. Mais par contre, en remplaçant le module, puisque j'en avais un autre, j'ai fait l'idiot, j'ai pas fait attention à la configuration. Alors rien de grave, mais en fait, quand vous enlevez le capot là, comme je l'ai fait, ici là, hop, il y a un petit jumper. Et ce jumper là, tac, qui est ici, selon comment vous le réglez, on est en 12 volts ou en 12 volts continu ou en 230 volts alternatif. Je l'avais laissé sur le 12 volts continu, donc j'ai dû déplacer la broche telle que vous la voyez là, sur la gauche, sur les deux premiers cavaliers à gauche. On est bien 230 volts. Donc je vais rebrancher et tout devrait refonctionner enfin, normalement. Voyons voir ça. Hop.